Ainsi commence un texte que j'ai retrouvé. Il paraît être de moi, mais il me semble parfois avoir été écrit par un autre. J'ai eu envie d'illustrer, ou plutôt de l'adapter, en une manière d'essai ou de récit audiovisuel. Disposant de très peu de moyens, j'ai eu recours à mon iconographie familiale. Film 8 mm, plan plus récent au caméscope, photos, dessins et tableaux, surtout de mes parents, petits documents écrits, etc. De façon à incarner les personnages de cette évocation, essayant d'en faire une sorte de film, tout au moins une forme de récit composé avec des archives personnelles illustrant le texte d'origine. Ce film reste un ouvrage de composition, voire de fiction, même si des matériaux documentaires ont été employés pour le réaliser. Comme on peut le voir sur ces cartes, Alger et Hussein-D s'étendent sur la même baie et se touchent, la mer étant à l'est de la première et au nord de la seconde. Hussein-D, qui constitua le 9e arrondissement du Grand Alger, fut créé par des cultivateurs dans la misère venus de Minorque. Après quelques séjours temporaires aux côtés de l'armée française qui commençait la conquête et qu'ils fournissaient en produits agricoles, ils s'installèrent définitivement à l'endroit où le dey Hussein avait une demeure à l'époque de la domination ottomane. Hussein dey a évolué au cours de la période française. Devenu en grande partie une banlieue ouvrière, les terrains des maraîchers étant rachetés progressivement par des industriels pour construire leurs usines. L'immeuble en U ouvert vers l'ouest, vers la colline et la baie d'Alger, dans lequel se trouvait notre appartement de 3 pièces, était situé dans une rue qui n'existe plus, à la fois parce qu'elle a changé de nom, la rue de Constantine étant devenue la rue Tripoli, et parce que ses habitants n'y sont plus, remplacés par d'autres depuis plus d'un demi-siècle, mais que je ne connais pas. C'est pourquoi je voudrais évoquer, du point de vue d'un enfant, autant que cela est possible à l'âge adulte, ses habitants d'autrefois, plus particulièrement ceux de cet immeuble, mais aussi partiellement ceux d'autres rues proches dans les quartiers de mon enfance. Au-delà du plaisir égotiste de parler de son enfance, urbaine ici, il s'agit d'évoquer une vie quotidienne en Algérie, dans une banlieue d'Alger surtout peuplée alors d'ouvriers, d'employés, d'artisans ou de petits commerçants, dont certains étaient musulmans, sans chercher à ce que cette évocation soit forcément représentative de toute une communauté. Le parti pris spatial, à partir d'un immeuble donné, et le point de vue personnel adopté, entraînant une vision nécessairement subjective et partielle. Des Français d'Algérie fréquentaient quotidiennement des Arabes dans les quartiers populaires d'Alger, comme Belcour, Bab El Oued ou Hussein-D. Dans certaines villes de Kabylie, comme Tizi Ouzou, des Français d'Algérie et des Kabyles se lièrent d'amitié et il y eut même des mariages. Dans mon école primaire, les petites Kabyles étaient plus nombreuses que les Européennes. À Hussein-D, on pouvait voir des Européens et des musulmans partageant leurs loisirs, par exemple en jouant aux boules ensemble. J'ai eu un très bon instituteur, celui dont je me souviens le mieux. Il s'appelait Monsieur Saadi. Par la suite, dans mon lycée, à Alger, il n'y avait plus qu'un arabe et un kabyle en première B. Il semblait faire un peu bande à part. Nous ne faisions parfois que côtoyer les arabes des villes, dans les commerces qu'ils tenaient ou dans les transports en commun. Mais les mauresques qui venaient faire des ménages à la maison me semblaient plus familières,
et s'entendait très bien avec ma mère, contrairement au cliché de la mauvaise patronne ne cherchant qu'à exploiter les indigènes. La population européenne urbaine de classe moyenne, comportant elle-même plusieurs couches culturelles ou économiques, représenta environ 80% des Français d'Algérie et disposa d'un niveau de vie inférieur à celui de la métropole. La porte d'entrée de notre immeuble était vitrée et comportait deux battants, enlevés depuis on ne sait pourquoi. Le vitrage de cette porte était protégé par une belle grille en fer forgé, tout en courbe et contre-courbe. La porte ne fermant pas à clé, l'un des battants restait presque toujours ouvert ou entrouvert. Après la montée de quelques marches, on se trouvait au niveau d'un rez-de-chaussée surélevé et dans une cour formée par l'intérieur des corps de bâtiments en U de l'immeuble. L'appartement de la concierge donnait dans cette cour et se situait à gauche de l'ascenseur. La cour était décorée de pots de fleurs et de plantes, arrosée et entretenue par la concierge. Mais une autre de ses attributions consistait à récolter, périodiquement, les jetons, c'est-à-dire les pièces de 100 sous ou 5 francs de l'époque, en nickel léger, que l'on devait glisser dans la boîte de l'ascenseur, au risque de prendre le courant, pour pouvoir monter. Les pièces tombaient dans son tablier, avec un bruit qui s'entendait dans tout l'immeuble, et qui n'était pas fait pour la rendre sympathique aux habitants. Gendarme de l'immeuble, elle était presque toujours en bisbille avec un locataire. Cela dit, son appartement fut très utile pendant la guerre. Lorsque j'étais bébé, pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, mon père me descendait chez elle dans une corbeille d'osier qu'il tenait par une sangle en cuir. L'immeuble n'avait pas de cave et l'appartement de la concierge en faisait office. Il paraît que le bruit des bombes ne m'empêchait pas de dormir. D'autre part, les sols étaient toujours propres et l'ascenseur fonctionnait. L'escalier qui entourait la cage de l'ascenseur était l'objet de certains de mes songes nocturnes. Je rêvais que je le descendais en touchant à peine les marches, en volant presque et en tournant, tout en prenant légèrement appui sur la rampe. Dans la journée, quand je quittais l'appartement, j'avertissais ma mère d'un sonore et précipité « Maman, je descends en bas !» Ce n'était pas vraiment un pléonasme, car en bas désignait tout autant la rue et les autres lieux environnants que les copains qui s'y trouvaient. J'étais tellement pressé d'aller retrouver mes camarades de jeu que je sautais plusieurs marches à la fois en me tenant à peine à la rampe. Quand, à l'inverse, on montait jusqu'au cinquième, on franchissait une double porte vitrée qui était toujours à moitié ouverte pour déboucher sur un vaste palier, couvert mais à l'air libre, depuis lequel on pouvait contempler la baie d'Alger. Je suis né et j'ai grandi devant la mer, étais-je tenté de m'exclamer. Mais il fallait tempérer déjà à cette époque l'accent idyllique de cette exclamation, une usine occupant en fait une bonne partie du lieu au premier plan, avant que d'autres installations industrielles n'enlaidissent complètement le paysage, comme en témoigne cette photographie de 1990, en se substituant notamment au terrain du maraîcher qui existait encore dans les années 50 avec son bassin d'arrosage. De notre appartement, la fenêtre par laquelle nous voyions le mieux la baie d'Alger était celle de la salle à manger, la plus à droite, bien qu'elle ne donnât pas en première ligne sur la mer, comme disent les agents immobiliers. C'est l'autre corps de bâtiment de l'immeuble qui occupait la première ligne. Pour voir la mer, il fallait s'accouder à cette fenêtre de la salle à manger et regarder un peu en biais pour faire abstraction de l'appartement d'en face, celui des Blanchard, dont les fenêtres restaient d'ailleurs presque toujours fermées. Derrière moi, adolescent, cette fenêtre à l'arrière-plan donnant directement sur le palier est celle de la cuisine d'un appartement où trois couples ou familles se succédèrent. D'abord un couple sans enfants, les Touchon. Le commandant Touchon, à la retraite, était directeur de l'hippodrome du Caroubier. Sa femme, que j'appelais Tantine, dont je n'ai qu'un vague souvenir de blondeur et de hâle, avait probablement les yeux clairs, mais je ne me rappelle plus de trop de son visage. En été, elle m'emmenait à la plage. »
Les Touchons quittèrent le 91 rue de Constantine pour un appartement dont la terrasse avait une vue directe sur le champ de course, et ils nous y invitèrent une fois. Je trouvais formidable d'avoir une telle vue, car j'aimais beaucoup les chevaux, et plus tard, vers 18-19 ans, je fis des liquidations comme Matifou. Ma cousine Annie, petite fille, aimait prononcer le cap moitié fou et en rire. Le commandant Touchon dit une fois à mon père à propos d'accent, comparant le nôtre au sien, « Celui de Touraine est particulièrement pur. C'est un Français sans accent. » Il était évidemment de Touraine. Sur ce même palier de notre cinquième étage, la fenêtre à demi ouverte à l'arrière-plan, à gauche dans l'image, était celle de l'appartement des Blanchard, un médecin et sa femme sans enfant. Lui avait un teint de comprimé d'aspirine, tandis que sa femme se maquillait outrageusement. Lorsque je m'ouvris la main en tombant sur un fil de fer barbelé, le docteur Blanchard me fit une piqûre anti-tétanos. Les Bastides reprirent l'appartement des Touchons. C'est surtout Daniel et sa mère qu'il habitait. M. Bastide, ingénieur, n'y séjournait que de temps en temps, car il travaillait dans le sud. Il plaisantait sur les embuscades tendues par les Félagas. « Ils nous ont semé des petits cailloux », disait-il. Daniel se plaignait d'entendre sans arrêt, à travers le mur mitoyen, les mêmes disques de Charles Trenet que Mme Blanchard, la femme du médecin, ne se lassait pas de passer. J'ai retrouvé, écrit sur des feuillets quadrillés d'écoliers, le brouillon d'une rédaction sur le thème de l'amitié. J'ai raconté dans quelles circonstances je fis connaissance de Daniel et de ses parents. Un soir, j'étais seul à la maison avec ma jeune sœur, mes parents n'étant pas encore rentrés du bureau. Ma mère y travaillait avec mon père architecte. Ma sœur se mit à réclamer sa mère à grands cris et à pleurer. Ne sachant comment la calmer, je pensais trouver de l'aide auprès de nos voisins de palier les Touchons, et en particulier auprès de Tantine. Je fus très étonné de voir apparaître des visages inconnus, eux-mêmes étonnés du spectacle de deux enfants désemparés. J'ignorais, ou j'avais oublié, ce changement de locataire. C'est ainsi que je connus Daniel, un garçon de mon âge, avec lequel je m'entendis tout de suite très bien. Lorsque nous nous retrouvions chez Daniel avec d'autres copains, nous lisions des bandes dessinées, des Pieds Nickelés ou de Bibi Fricotin, et il nous arrivait de mimer une scène particulièrement amusante. Nous faisions aussi de longues parties de Monopoly. Daniel annonçait les noms des rues, avenues et boulevards de Paris avec un savoureux accent parigot. Sa mère aussi avait cet accent. Elle souffrait du froid l'hiver et il lui arrivait de s'accroupir près du poêle, les bras croisés, pour mieux se réchauffer pendant que nous jouions. Le soir venu, pour prolonger le plaisir d'être ensemble, Daniel et moi, nous nous raccompagnions mutuellement et indéfiniment d'une porte à l'autre à chaque extrémité du palier. Cela amusait un moment les parents, mais ils commençaient à s'impatienter. « Allez, ça suffit maintenant, vous verrez demain. » Le dimanche matin, à la sortie de la messe où nos mères nous envoyaient, nous choisissions une fille que nous nous amusions à suivre de loin, en riant de nos commentaires. Dans une lettre, Daniel m'écrivait « Sont-elles toujours aussi bien à Ussindé, surtout Françoise, la fille blonde que l'on suivait après la messe de 9h et qui allait vers le pont ?» Dans la rue, lorsque l'un de nous était attaqué ou en difficulté, l'autre prenait sa défense. Cela dit, Daniel se défendait aussi très bien tout seul. Un jour que Joseph, dit Jojo, un autre copain de l'immeuble, l'avait traité de grosse tête, il avait répliqué en l'appelant « gros cul ». C'est ce que je racontais dans une lettre à Roland Tuillier, un autre bon copain qui habitait au 4e. Quand il partit en France vivre chez sa grand-mère et poursuivre ses études secondaires, nous avons un peu correspondu. Il revenait à Ussindé pour les vacances, ce qu'il attendait avec impatience, disait-il dans une lettre. Il disait aussi « J'ai un peu le cafard, et les vacances me tardent ».
Une fois, quand il revint à Hussein-Dé, était-ce seulement au bout d'une année scolaire ou après une plus longue absence, nous n'avions curieusement que peu de choses à nous dire, malgré les quelques lettres amicales que nous avions échangées. Roland était le fils d'un adjudant de carrière assez bonasse, au crâne un peu déplumé, et qui portait des chaussettes de laine montant jusqu'aux genoux, c'est-à-dire là où s'arrêtait le short militaire. Sa mère, femme au foyer, dévouée à sa famille, assez souriante malgré une dent manquante, cirait périodiquement les chaussures de ses enfants, dont celle de Roland, et les godillots de son mari, en les étalant sur le garde-corps en béton assez épais du balcon, ce que je pouvais observer de notre propre balcon. Sur le même palier que celui des Tuiliers se trouvait l'appartement des Benedetto et de leur fils, un autre copain déjà cité, Joseph, dit Jojo. Une fois, nous jouions chez lui à mimer je ne sais plus quel combat avec des Japs inspirés d'un film américain ou d'une bande dessinée, lorsqu'il s'écria tout à coup « Clic, clic, au poignard mon gars !» joignant le geste à la parole, ce qui nous fit nous tordre de rire, et lui, déconfit, de nous reprocher « Ah non, les copains, alors on ne joue plus !» Au troisième habitait Norbert Arbès, que certains considéraient comme un peu voyou. Sa mère disait de lui qu'il n'était heureux que les mains dans le cambouis farfouillant dans un moteur. C'était un regard de mère plutôt bienveillant, faisant passer une paresse dominante pour une passion pour la mécanique. Madame Tarbès était infirmière et aussi, selon la rumeur, un peu faiseuse d'ange, tout en prêtant son appartement pour les cours de catéchisme que venait nous donner une jeune femme à grosses lunettes et assez laide. Un autre appartement donné sur notre palier du cinquième étage. La fenêtre de sa cuisine jouxtait à angle droit celle des Touchons, puis des Bastides, comme on peut l'apercevoir à gauche dans l'image, derrière cet adolescent d'autrefois. C'était le logement d'un couple âgé très discret, les Métayers. Monsieur Métayer était grand, les cheveux blancs en brosse, avec de grandes oreilles, bordées de quelques taches ou boutons noirs, qui me souriait en me disant bonjour quand je le croisais sur le palier, partant quelquefois jouer à la pétanque. Un jour, son fils, que nous ne connaissions pas, homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants, vint frapper à notre porte, les larmes aux yeux, serrant un mouchoir bien mouillé. Ne s'attendant pas, peut-être, à ce qu'un enfant lui ouvre, il hésita un peu puis me dit « Mon papa est mort ». Au deuxième étage, habitaient Benoît Bobner et sa famille. Je jouais avec lui comme avec Daniel ou Jojo, au conducteur de diligence de Western sur le petit canapé Louis XV de ma mère dans la salle à manger. Ceci explique le piteux état de ce siège sur cette photo prise par mon oncle Grégoire, qui m'avait affublé à l'occasion d'une autre photo, d'une casquette d'aviateur censée lui appartenir alors que, sauf erreur, il n'avait jamais piloté un avion. Sans vouloir porter atteinte à la mémoire de l'oncle Grégoire et à ses talents de photographe, on peut dire qu'il ne m'a pas gâté en fixant pour l'éternité, presque, mon sourire figé en une balafre d'ombre horizontale. J'ai hérité du canapé, mais j'ai dû m'en séparer quand son assise céda, vermoulue, sous le poids des ans et de visiteurs trop corpulents. Anicet Bobner, le père de Benoît, travaillait au dépôt et atelier de la ville, et il en profitait pour fabriquer, avec les morceaux de bois et les bouts de fer ou autres pièces métalliques qu'il récupérait, des cendriers sur pied, des tables basses pour l'apéritif, etc. Un très lointain et incertain degré de parenté, autoproclamé entre ma mère et sa femme, faisait que j'appelais celle-ci Tata et donc lui Tonton. Ils étaient très gentils et très affectueux l'un et l'autre. Cependant, un certain jour à la plage, Alice me réprimanda parce qu'il estimait que je faisais le malin, ce qui était très possible, devant mes petits camarades, c'est-à-dire ses enfants probablement. Il cherchait peut-être à se rendre intéressant aux yeux de Tantine, qui devait être plutôt belle femme, et que je ne percevais pas du tout sous cet angle. Une casquette recouvrait la calvitie d'Anicet, bien bâti et plutôt sportif. Il était assez nerveux, son rire l'était aussi. Il était coureur, ce qui faisait enrager sa femme, laquelle finit par lui refuser tout rapport conjugal.
Pour se faire pardonner, Anissé faisait le ménage ou la vaisselle. Mais cela ne pouvait fléchir Madame Bogner. Elle exigeait sa fidélité et demandait « C'est un homme, ça ?» C'était sûrement un besoin physiologique très exigeant chez lui, mais dont les choix d'objets n'avaient souvent rien d'esthétique. Mon père nous avait raconté qu'en conversation avec Anissé dans la rue, ce dernier attira son attention sur une passante. « Tu as vu ce cul ?» Mais mon père, plus délicat, ne partagea pas son admiration, tellement ce postérieur était gros. Cela dit, mon père n'était pas plus bégueule que ça, se prêtant ici à un marivaudage bon enfant sur la personne de cette jeune fille. Curieusement, son beau-frère la surveillait beaucoup plus jalousement que son propre père. La couleur du mobilier de la salle à manger était le noir, alors à la mode. Le dessus du buffet est représenté dans ce tableau de mon père. Tables, chaises et buffets avaient été fabriqués spécialement sur des dessins de papa et à partir des desiderata de ma mère. Par un menuisier ébéniste de la cité Brossette voisine, un Italien d'origine qui ne maîtrisait pas le français et que mes parents avaient surnommé Tutica, parce que c'était sa manière de dire en tout cas et de le répéter comme une sorte de tic de langage. Des tableaux de mes parents ornaient les murs. Pendant la guerre, la construction étant arrêtée, ils vécurent de la vente de leurs peintures en faisant des expositions. Un officier américain avait l'intention de leur acheter un tableau, mais il voulait d'abord s'assurer de la véracité de la représentation et demanda qu'on lui indique le lieu. Après vérification, il revint acheter le tableau en décrétant très satisfait « correct ». Une sculpture, le buste de Mermoz, comme l'appelait ma mère en hommage au grand aviateur qu'elle admirait, trônait sur le buffet. Devant une cheminée condamnée mais utilisée comme conduit d'évacuation, une salamandre, poil de couleur bleu-gris, laissée lui aussi par les prédécesseurs américains, ne nous servait pas pour le chauffage de l'appartement. D'ailleurs, comme le montre cette photo, un fauteuil fut placé devant à une époque que je n'ai pas connue. Mon père y brûlait de temps à autre des papiers. Un jour, il rapporta une salamandre, petit lézard au corps noir et jaune, conservé dans un bocal de formol qu'il posa sur la tablette de la cheminée, au-dessus du poêle. Mon père, qui fumait beaucoup et toussait tout autant le matin en se levant, vers 4 ou 5 heures, réveillait trop tôt ma mère, et il fit de la salle à manger sa chambre à coucher, en mettant un lit d'une place sous la fenêtre. Mes parents firent donc chambre à part assez tôt. La gêne matinale occasionnée à ma mère était la seule raison de cette séparation de la couche conjugale, car l'épouse rejoignait son mari de temps en temps sous prétexte de massage et fermait la porte. Il est vrai que ses mains lui faisaient beaucoup de bien car il souffrait de l'estomac. Mes parents n'étaient pas toujours aussi gais, malheureusement. Certains Noëls, mon père disait, « Le Père Noël n'est pas riche cette année. » Et je devais me contenter d'un très modeste petit cadeau, je ne dirais pas d'une orange, comme chez les plus pauvres autrefois, mais presque. Les cadeaux de Noël étaient un peu le baromètre des hauts et des bas du métier d'architecte que mon père voulut exercer, pour lequel il dut se former et passer des concours. Au sortir de l'école des arts et métiers de Délice, il fut d'abord fonctionnaire, comme le souhaitait sa mère. Mais il ne resta pas longtemps piqueur au chemin de fer et s'employa à devenir géomètre, puis architecte. Il pratiqua l'architecture avec talent, rigueur et intégrité, très exigeant à l'égard des entrepreneurs et de leurs approximations, voire de leur incompétence ou de leur malhonnêteté. Un petit cousin éloigné de ma mère tenait une boutique de photographes rue de Constantine. C'est lui qui me photographia enfant en noir et blanc, puis coloria vaguement ce portrait. Il devait se prendre pour un grand artiste, car il se permit de dire un jour à mon père
que le métier d'architecte consistait simplement à tracer des barres. C'est néanmoins chez lui que mes parents m'achetèrent ce pâté baby et que j'allais y louer des films 9-5 distribués par Film Office. En effet, lors d'une année faste dans l'activité de mon père, j'eus droit à un cinéma comme cadeau de Noël. Fabriqué par Lapierre et distribué par Pathé sous la marque commerciale Pathé Baby, ce petit projecteur 9.5 à manivelle permettait de voir des films documentaires comme Par 18 mètres de fond de Cousteau ou des films de fiction muets. Dans un sombre mélodrame mettant en scène les aventures d'un jeune marin, lors d'une bagarre, celui-ci recevait un coup de pied dans le ventre et mon père disait que je ralentissais la projection à la manivelle pour atténuer le coup reçu. Nous pouvions voir aussi des films de Chaplin et d'autres burlesques américains. Mon père m'aida à faire une toute première projection contre un mur de son bureau. J'éprouvais une grande émotion en voyant une image animée d'abord floue, puis se précisant progressivement. J'ai organisé des projections pour les copains avec un prix d'entrée, moins pour me rembourser les frais occasionnés, qui étaient loin d'être couverts, que pour imiter les salles de cinéma que nous fréquentions avec mes copains le jeudi après-midi. Je dessinais une affiche sommaire évoquant le film projeté, à l'instar aussi d'une salle professionnelle. Dans les trois cinémas du Saint-Dé, du cinéma moderne au Royal, en passant par l'Étoile, nous voyions surtout des films de cow-boys, de cap et d'épée, des films comiques avec Danny Kaye par exemple, toute une programmation majoritairement américaine. En sortant du cinéma, nous nous amusions entre copains à imiter certaines scènes. Le premier film que je me rappelle avoir vu avec ma mère dans un cinéma d'Alger, il devait s'agir du Français, fut aussi un film hollywoodien, Houdini le grand magicien, avec le dynamique et sportif Tony Curtis, dont la vue ravissait ma mère. Small miracle. As you see, I have just an ordinary piece of paper. I take the paper, form a simple cone. If you please, your attention to the pitcher of milk on the table. I take the milk, pour it into the magic cone. To the doubting Thomases who don't believe this is milk, I pour it into the glass. See? For the young ladies who like sweet milk, I add a little sugar. Take the wand, stir just a little bit. Watch. One, two, three. J'allais également au cinéma à Ussindé certains soirs, plutôt le samedi, avec mes parents. L'idée d'aller au cinéma après dîner me procurait une excitation curieusement anxieuse qui me coupait un peu l'appétit. Mon père s'endormait de temps en temps. Je le réveillais quand il se mettait à ronfler, cela me gênait vis-à-vis des autres spectateurs. Pour sa part, il était gêné quand ses enfants voyaient une scène un peu osée, par exemple cette scène dans laquelle Daniel Gélin commence à déboutonner de bas en haut la robe de Daniel Darieux dans « Adorable créature ». « Tu parles d'un film », disait-il à ma mère, presque comme s'il se fût agi d'un film porno. Nous devions regagner assez rapidement notre domicile en raison du couvre-feu, comme d'autres personnes que nous côtoyions silencieusement sur le trottoir peu éclairé. La salle à manger était le domaine de mon père le samedi après-midi, quand il préparait ses lignes, étalant tout son attirail sur la table, en vue de la partie de pêche du lendemain, le dimanche matin très tôt. Ces préparatifs s'accompagnaient d'un sifflotement curieux, minimal et répétitif, qui ne s'apparentait à aucun air connu. Il rentrait pour déjeuner vers 13 heures
puis faisait la sieste. À son réveil, ma mère lui apportait le café, puis nous allions nous promener en voiture et à pied à la Madrague, à Bouaroun ou à Chifalo. Mon père nous avait dit qu'il était allé pêcher à l'embouchure du Mazafran, où une immense plage s'était formée, bordée par une épaisse forêt, et qu'il y était seul. Au sein de son plaisir de pêcher, où entrait l'agrément pour lui de se trouver seul au contact de la nature, il y avait aussi la crainte des Arabes, qui observaient souvent les Européens sans se montrer. Lorsque nous tombâmes en panne dans la forêt d'Yakouren, en pleine nuit, nous en vîmes sortir lentement des fourrés, alors que nous croyions les environs déserts. Mon père avait toujours, disait-il, un 6.35 dans la boîte à gants, et il préférait partir à la pêche avec un compagnon. Pour lui, ne pas partir seul à la pêche pouvait avoir d'autres raisons, par exemple en cas de problème de navigation ou de santé. Il s'était acheté un arcachonnet, une jolie barque en acajou à fond plat, appelée par ailleurs Pastera en Algérie, et que l'on pouvait remonter sur la plage. Un été, à la plage La Fontaine, il sortit seul en mer pour pêcher, à une distance raisonnable de la côte. Le ciel se chargea tout à coup de gros nuages menaçants. Craignant à juste titre la bafagne, il rama dardard pour s'abriter. Nous passions souvent le plus chaud de l'été au cabanon, terme générique pour désigner un petit logement loué tout au bord de la mer. Une année, des jeunes que nous connaissions allèrent se baigner de nuit sur une plage voisine, mais un peu écartée. Venus des collines ou des dunes bordant cette plage, des tirs éclatèrent dans leur direction. Tireurs maladroits ou simple intimidation, ils ne furent heureusement pas atteints. Avec la pêche, l'autre passion de mon père remontant à sa prime jeunesse était la peinture. Il avait été hébergé par de grands amis de ses parents à Alger dans leur villa pour y peindre à son aise. Il m'emmena un jour les voir, toujours plein de reconnaissance pour leur accueil ancien. Il me fit connaître ces gens en pensant probablement que je serais moi-même ému à leur contact. Comme pas mal de parents, je crois, il pensait que ce qu'il avait touché de près ne pouvait manquer de m'émouvoir aussi. Je n'ai jamais vu mon père peindre dans le bureau qu'il eut d'abord à la maison. Son métier d'architecte ne lui en laissait pas le temps. Il se levait très tôt et travaillait jusqu'au déjeuner. Puis, après environ une heure de sieste, il reprenait jusqu'à l'heure du repas du soir. En revanche, dans son bureau de la rue Michelet, qu'il avait acquis par la suite, il s'était remis à la peinture, signe manifeste d'une moindre anxiété dans son métier et d'une certaine aisance professionnelle. Son chevalet était en place dans sa pièce de travail et il s'y mettait dès qu'il avait un moment, malgré un nombre plus important de commandes, écoles, centres de santé, HLM, peut-être parce qu'il déléguait désormais une partie de son travail au dessinateur qu'il employait à demeure. Les affaires avaient repris dans la deuxième moitié des années 50, quelques années avant la catastrophe de l'Exode. Ce fut d'abord la chambre de mes parents. En toute simplicité, ma mère avait voulu un lit conjugal rehaussé d'une ou deux marches, probablement comme elle en avait vu le modèle dans un film hollywoodien. C'était son côté star. La voici posant en vedette avec ses amis de jeunesse, déguisée pour un ballet lors d'une kermesse de monsieur le curé. Ce sont ses propres mots placés en légende de ces deux photos à l'intention de l'une de ses petites filles. Maman était musicienne et avait une sensibilité romantique. Elle jouait du piano, aimait surtout Chopin. Elle dansait en s'accompagnant de castagnettes. Elle avait un numéro de danseuse espagnole que ses amis ou parents lui réclamaient. Elle revêtait alors une robe longue adéquate, rouge et blanche. Elle imitait aussi Joséphine Baker, chantant « J'ai deux amours ». Quand elle était jeune, avec une amie candidate comme elle à une carrière artistique, elle avait voulu partir à Paris tenter sa chance, en compagnie de cette amie pour assurer les parents, qui cependant refusèrent, craignant une telle aventure pour leur fille.
Ma mère réorienta son ambition artistique vers la peinture, qu'elle pratiqua jusque très tard, organisant des expositions, souvent avec d'autres peintres. Elle écrivit un récit de vie qu'elle illustra. Ce premier livre, bien enlevé, fut rédigé à la demande de l'intéressée, une femme énergique d'origine allemande dont l'entreprise avait bien réussi à Ussendé. Plus tard, ma mère fut l'auteur de deux romans, l'un situé en Dordogne, l'autre consacré à Jacques d'Aragon. Elle en fit aussi l'illustration. Ma mère me disait peu avant sa mort, au service des urgences, connaissant un mieux passager, « Nous étions heureux à Ussendé, on s'entendait bien. » Elle voulait parler d'abord de son enfance et de sa jeunesse harmonieuse auprès de sa jeune sœur et de sa mère, si compréhensive, et malgré l'absence d'un père mort à la guerre. Elle habitait rue Laurent-Saintès, et elle n'avait que sa rue à traverser, d'ailleurs très étroite et sans véritable circulation, pour s'engouffrer, comme elle disait, dans le cinéma moderne dont l'entrée était juste en face de la porte de son immeuble. C'était à l'époque du cinéma muet dont elle avait dû voir presque tous les films et dont les stars la firent rêver. Sur cette photo, jeune mariée, près de sa glace Louis XV, on la voit s'apprêter, se maquiller, assise sur un petit lit qui a dû remplacer son piano, que mon père lui fit vendre pour gagner de la place. Évidemment, elle lui en faisait grief. Il justifiait par un besoin d'espace dans le trois pièces un acte aussi arbitraire. Mon père disait chanter faux. À l'école, nous racontait-il, le professeur de musique lui interdisait de chanter en chœur, craignant qu'il fausse les autres voix. La musique n'était pas dans ses goûts, mais il semblait faire une exception pour les voix de ténor de certains voisins entendus dans son enfance à Bougie, et qu'il trouvait sublime. Le caractère de ma mère, à la fois très optimiste et très sensible, un certain idéalisme ou romantisme un peu naïf quelquefois, pouvait irriter mon père, entrer en conflit avec sa vision des choses plus pessimiste, voltairienne si l'on veut. Même si son lyrisme réaliste, sa poésie de la nature en particulier, se manifestait dans ses tableaux, et même s'il appréciait en toute conscience la gaieté du tempérament de sa femme par rapport au sien, il disait que c'est ce qui l'avait attiré, en particulier chez elle. Comme le mobilier de la salle à manger, il fallut faire fabriquer sur mesure celui de la chambre nuptiale. En partie centrale, la porte de la penderie était munie d'une grande glace, aussi théâtrale que le lit surélevé qu'elle reflétait. De chaque côté, cette penderie était flanquée de rangements à étagères. Sur cette photo, la partie de droite est visible, celle de mon père, la partie de gauche, hors champ, était celle de ma mère. Un jour, elle m'appela dans sa chambre et ouvrit cérémonieusement la porte de son côté d'armoire pour me montrer, rangée sur le linge d'une étagère, une liasse de billets de banque économisés afin de m'acheter une modeste caméra 8 mm. Lorsque j'avais une maladie infantile, j'étais souvent alité dans cette chambre dans le grand lit de mes parents. C'était une sorte de faveur comme pour compenser mon infortune. Lors d'une visite, mon oncle Antoine et sa famille m'avaient apporté un album, « Les malheurs d'Isengrin » de Samivelle, dont j'aimais beaucoup les illustrations et les histoires. J'ai perdu ce livre, de même qu'une version illustrée des contes de Perrault que je lisais et regardais aussi dans ces périodes d'inaction au lit. Une fois, en fin d'après-midi, à demi couché ou assis, je regardais par la porte-fenêtre ouverte le tournoiement brownien d'une foule d'oiseaux. Il semble qu'il s'agissait des tourneaux. Seul dans l'appartement, j'attendais le retour de mes parents,
non sans une certaine anxiété. Le souvenir des évolutions erratiques de ces volatiles reste associé à ce sentiment. Le vol des martinets était plus distrayant. Virevoltant à toute vitesse, à plus de 150 km/h, dit-on, ces oiseaux étonnants ne se posent que pour nidifier, se nourrissent en vol et même dormiraient, pour une moitié de cerveau, tout en volant. Un soir, l'un de ces martinets qui s'était posé sur le haut des volets de la cuisine que ma mère était en train de fermer, tomba dans ses cheveux. Elle poussa des cris de terreur en s'efforçant de se dégager des griffes de l'oiseau, au demeurant inoffensif. La chambre de ma mère était aussi son atelier de peinture. Des livres d'art s'y trouvaient, reproduisant en couleur les œuvres des grands peintres. J'aimais particulièrement feuilleter un livre de grand format sur la peinture classique, celle conservée au Louvre probablement, et contenant des reproductions de tableaux de maîtres vénitiens, représentant notamment des édifices à colonnes, palais ou églises construits au bord de l'eau, des sortes de trottoirs y descendant par quelques marches, des navires amarrés à proximité, tout un monde pictural qui me paraissait tout à fait imaginaire à l'époque, mais dont je retrouvais une trace réelle plus tard en visitant Venise. De la chambre de ma mère, dans son sommeil, nous parvenait quelquefois une parole étranglée qu'elle proférait dans un cauchemar récurrent. « L'arabe, l'arabe !» Dans son angoisse cauchemardesque, le R du mot devenait très guttural et se transformait en « rota ». Elle rêvait qu'un arabe sortait de l'ombre pour l'égorger avec un grand couteau. Cela venait de son enfance. Une mauvaise fille, plus âgée qu'elle, l'avait abandonnée la nuit tombée près d'une fontaine dans un village à la campagne, après l'y avoir amené en lui parlant auparavant et avec insistance de ce danger potentiel. Cela dit, ma mère prenait en photo, avec sa boîte Kodak, de jeunes arabes en vue de certains de ses tableaux, comme ces deux petites mauresques, ou cet autre plus âgé, dévoilé, ou encore ce Yaouled qu'elle avait fait monter pour le photographier sur le balcon. Elle a souvent représenté dans ses dessins ou peintures des femmes arabes ou kabyles, en groupe ou individuellement. À l'époque où l'OS était devenue particulièrement virulente, un jour, de son balcon au 5e étage, ma mère vit un vieil arabe affolé qui courait le turban défait, essayant d'échapper à de jeunes tueurs. Elle l'avertit de la position de ses poursuivants et l'exhorta à fuir dans une direction avant d'indiquer aux tueurs la direction opposée. Elle n'était pourtant pas au début défavorable à l'OS. Dans la mesure où cette organisation défendait le maintien de la présence française en Algérie, avant de sombrer dans un terrorisme aussi aveugle et meurtrier que celui du FLN. Son père, tonnelier, était mort pour la France pendant la guerre de 1914-1918, le 22 avril 1916, alors qu'elle n'avait pas encore 4 ans, et ma mère le connaissait seulement parce que sa propre mère lui en avait dit. Maman était pupille de la nation, le sacrifice paternel était sacré pour elle,
tout ce qui pouvait y constituer une atteinte, même simplement verbale, l'indignait et lui faisait venir les larmes aux yeux. Et en conséquence, son patriotisme englobait la défense de la France en Algérie. Son acte de simple humanité en faveur du vieil arabe montre bien sa bonté foncière, éloignée de tout sectarisme. Quand ma jeune sœur commença à marcher, nous la retenions, si elle s'en allait trop vite et trop loin, par un pan d'une sorte de fichu ajouré dont la couvrait ma mère et qui était fixé par une épingle à nourrice. Quand elle sut marcher, on l'appela le mouvement perpétuel. Je me souviens que je suivais mon frère machinalement, d'une pièce à l'autre, et que j'étais tout étonnée de me trouver là quand il se retournait brusquement. L'hiver, nous jouions sur les tapis kérouans de l'appartement que les précédents locataires américains avaient fait exécuter sur mesure. Le jeu consistait à placer les aventuriers dénommés Bocus et Macus dans toutes sortes de situations périlleuses ou comiques à l'aide de figurines humaines, de petites voitures d'Inky Toys et de différents accessoires. Le tapis de la salle à manger ou celui du couloir, avec leurs dessins géométriques, était propice à la figuration de chemins imaginaires. Mes parents disaient que ma sœur voulait tout ce qu'elle voyait, comme par exemple un gâteau ou un jouet dans une vitrine, ou encore ce petit chat à caresser. Pour obtenir ce qu'elle désirait, elle faisait, si nécessaire, une scène à ma mère, en exigeant, criant, pleurant. Elle lui était très attachée et elle réclamait le sein même quand ma mère n'eut plus de lait. Petite, lorsqu'elle écorchait les mots et que nous avions du mal à la comprendre, elle nous répliquait « Eh ben, zouz des oseilles !» Plus grande, alors qu'elle marchait tranquillement avec une copine au foyer municipal, un attentat à l'explosif détacha un bloc de béton qui tomba à quelques centimètres d'elle, heureusement sans la blesser. Elle me servit souvent de modèle vivant pour animer mes prises de vue de paysages, quelquefois avec des monuments comme ici, dans les ruines de Tipaza. Inspirées par le décor des ruines romaines, ma mère et ma sœur prirent cette pose chorégraphique improvisée. J'avais demandé l'autorisation de filmer dans le parc au conservateur. Celui-ci redoutait une certaine utilisation du site par des gens qui s'affublaient de draps pour faire antique. Ici, ma mère et ses copines se sont contentées de poser dans des robes de blanches vestales. Lors d'un voyage en 1990, ma sœur a voulu rappeler la scène filmée autrefois. Un jour, pour faire la maline devant une copine, ma chère petite sœur avait balancé par-dessus le balcon des figurines d'animaux en terre glaise que j'avais posées là à sécher. D'autres fois, assise à son bureau, elle bavardait avec la même copine venue la voir, ce qui me dérangeait, travaillant à mon propre bureau sur le mur opposé. C'est à ma table de travail qu'elle vint sans bruit, dans mon dos, me donnait par surprise une claque retentissante. Nous disions une schkoppe, avant de s'enfuir se barricader dans le WC jusqu'au retour de mes parents. J'espérais avec impatience leur arrivée, chaque fois que j'entendais l'ascenseur monter. Ce bruit de l'ascenseur, lorsque nos parents tardaient à rentrer du bureau le soir, nous le guettions, si l'on peut dire. Déçu lorsque l'appareil s'arrêtait au premier étage et heureux lorsqu'il arrivait au cinquième, puis rassuré dès que nous reconnaissions les pas ou les voix de nos parents. L'été, le balcon était une extension de notre espace de jeu, une tenture de toile extérieure, verte chez nous, que l'on fixait au parapet du balcon, nous abritait du soleil, notre chambre étant au sud.
Cette tente devant la porte-fenêtre produisait une ombre agréable pendant que nous jouions à faire naviguer un petit bateau fabriqué avec des matériaux de récupération. Planchette légère servant de fond aux paquets de dattes, bouts de bois ou bouchons de liège comme superstructure. Nous, on est ici et les jouets, ils sont ici. J'ai demandé à Alexandre, 7 ans et demi, l'aîné de mes petits-enfants, de reconstituer la scène avec moi, en lui proposant d'agrémenter le petit navire de superstructure très coloré. Il a accepté avec plaisir, semble-t-il, mais avec une intention bien arrêtée. Là, c'est ce moment qui coule, là ? Non. C'est à son retour ? Oui. Il peut plus avancer. Je peux la faire couler, cette cheminée ? C'est normal, il coule, papy. Cette cheminée-là, elle va couler après. Quand il y aura toutes les cheminées qui tombent, papy, je peux le faire couler. Oui. Non, maintenant, papy, s'il te plaît, ça va être plus spectaculaire, ça va tomber. Maintenant. Allez, vas-y, fais-le couler. Tu vois qu'il flotte bien. Ah, mais il est en train de détruire tout, là. Bientôt, regarde, elle va tomber. T'as vu, je t'ai dit quoi? Attends, maintenant, c'est le moment où il coule. Regarde, il ne reste plus que lui. Il reste plus que ce morceau qui va. C'est quoi ce truc-là? Bientôt, il va se casser, hein. Quand même, il a bien survécu à l'accident. Tu vois, il remonte. Nos jeux étaient accompagnés par les forces matinales de l'atmosphère méditerranéenne en plein été. T'es content qu'il coule pas ? Cette montée en puissance sonore, lumineuse et colorée de la matinée estivale algéroise, je l'ai retrouvée plus tard dans d'autres villes et ports de la Méditerranée. C'était une rumeur vitale qui s'amplifiait en même temps que la chaleur commençait à prédominer après la relative fraîcheur de la nuit. Et il me semblait y sentir de l'allégresse, une énergie qui demandait à se libérer. Dans mon enfance, je me contentais de la ressentir. Dans l'adolescence, je cherchais à l'exprimer, mais en vain, restant seulement admiratif devant cette splendeur solaire. La lecture de Camus m'aida à la formuler.